Bonjour, j'espère que vous allez bien. Faut t'adapter, adapte-toi. Voilà, c'est pas ce que tu es venu faire quelque part, hein, qui va te montrer tous les coins et les recoins de ce pays-là. Lève-toi le matin, tu cours, tu admires le coin. Voilà, là je suis dans la ville de Punchak. La ville de Punchak, c'est sur les montagnes, quoi. Donc voilà, la ville de Punchak, c'est une ville touristique. Voilà, c'est une ville touristique. Comme ici là, c'est les maisons à vendre. La ville de Punchak. Voilà. Donc voilà, il faut apprendre à s'adapter. Et la manière de s'adapter dans la classe, sans suspicion, dans le respect des choses, c'est de se lever le matin, tu commences à courir. Tu vois, tout le monde te regarde. Et que le noir s'y fait quoi ici là? Mais dans le modèle, on sait que tu ne peux pas être ici par hasard. Parce que c'est loin de Jakarta. C'est loin de la capitale. Voilà, ne t'habille pas en costume. Tu commences à te balader là comme un mafieux. Non. Non, c'est le week-end. C'est samedi. Tu te lèves. Tu fais les 100 pas. Tu marches. Tu es moins suspect. Tu te comportes comme si tu es chez toi. Free. Hi. Celui que qui te salue, tu réponds. Celui qui ne te salue pas, tu avances. Tu salues d'autres, tu ne salues pas certains. Ça dépend de la mine de chacun, quoi, en fait. Ça dépend de la mine là. Et my. Hein, voilà. Ça dépend de la mine de chacun. Voilà, je suis comme ça ici à Punchak. Je suis à Punchak. Voilà. Voilà. À Punchak. Je suis à Punchak, la ville de Punchak. Voilà, c'est une ville touristique. Là-bas, il y a les villas. En fait, quand je vois ce qu'on fait aujourd'hui au Cameroun, là, à Kribi, tout ça, c'est comme ça ici, là, non? Vous voyez, quelqu'un vient dans un coin, il casse 10 hectares, il construit les maisons, il vend. C'est du business, ça paye. C'est du business, ça paye. Ouais, les grosses voitures. Voilà, les grosses voitures. Le quartier est beau. Voilà. Il n'y a pas de barrière. Parce que c'est comme la cité Chirac. Mais la cité Chirac est négligée, quoi. Voilà. Oh, la cité Chirac est négligée. C'est comme ça qu'on devait faire la cité Chirac. Donc ici, là, les gens achètent les maisons, ils mettent en location. Ici, la maison, la journée, une journée, 300 dollars, 400 dollars. Voilà. Il y a les duplex, il y a les villas, il y a les triplex. Voilà. Donc voilà, c'est ça la vie, quoi. On s'adapte avec éloquence, avec élégance, sans se rendre suspect. Vous savez, les frères, il faut qu'on se dise la vérité. Les Watts ont tellement fait la promotion sur notre peau, si bien que tout le monde croit que nous sommes méchants. Donc partout où tu vas dans la vie, il faut avoir beaucoup de manières pour t'intégrer. Ce n'est pas la force. Voilà, ce n'est pas la force. Je ne suis jamais arrivé quelque part, on m'a détesté. Non. Mon voisin voit un noir qui est élégant, qui est chaud, qui vit comme un homme normal, qui fait son sport avec l'éloquence. On ne porte pas la veste partout, mon frère. Mais oui, on ne porte pas la veste partout. Hello, my friend. Yeah. On ne porte pas la veste partout. Et là où tu portes la veste, tu as les problèmes. Le type, il fait quoi ici, là? Il fait quoi ici en veste? Non, comment c'est? Ici, tout le monde vient enjoy la vie. La majorité sortait de la ville de Jakarta. Alors, tu sais, fais quoi ici, là? Il fait quoi ici, en costume, avec la mallette? Tu t'avances là devant, tu peux voir le niais, t'interpelle. Tu que wow, on m'a organisé. Tu faisais quoi là-bas en veste? Parce que pour les gens qui sont toi en veste, là, hein, avec quelque chose qui chauffe d'abord, même quand il ne faut pas porter, les gens portent. Regardez comment il est chaud. Il est... Non. Être chaud, c'est être dans la conformité, dans la logique. Tu ne peux pas t'habiller en costume là où il y a la poussière, là où c'est sale. Tu ne peux pas t'habiller en costume là où les gens sont en train de se reposer. Ça veut dire que tu veux faire la différence. Et c'est normal qu'on te quota. On te demande les papiers. Voilà. Tu t'habilles en costume, tu caches quoi? Hein? Tu caches quoi? Hein? Regardez-moi notre villageois. Le même gars ne peut pas demander à l'autre que... Qu'est-ce que tu fais en France? En France, il y a les Camerounais en prison. Tu ne demandes pas ce qu'ils font là-bas. Tu me demandes à moi, un homme d'affaires.
un homme d'affaires qui fait les affaires. Qu'est-ce que tu fais à Jakarta? Tu vois le complexe? Vous êtes trop villageois, vous les Camerounais. Et tu me suis même. Le nom, si Nana Eve, je vais te bloquer tout à l'heure. Écoute ce que je vais te dire, mais je vais te bloquer. Parce que je déteste les gens comme vous là. Tu ne peux pas demander aux Camerounais qui. Moi voilà, je suis un Camerounais normal. Je vis ici là, depuis les années. Je viens, je pars. Je viens, je pars. Ma vie est mieux. Je suis mieux. Je suis un Camerounais normal même au Cameroun. Tu demandes à moi qu'est-ce que je fais en Indonésie. Mais tu ne peux pas demander au Camerounais qui est en France, qui est sans papier, qui dort dans la rue. Qu'est-ce qu'il fait en France? Je suis ici, j'ai ma carte de séjour. Je suis un Camerounais normal. Et qui achète, qui revend, qui fait ses affaires. Tu me demandes qu'est-ce que tu fais là-bas. Parce que vous avez toutes les petites paroles du mépris. C'est ça le problème de vous là, vous les Camerounais. C'est un complexé là. La colonisation a frelaté votre cerveau. Vous croyez que le monde s'arrête à 6000 km de là où vous êtes. C'est ça le problème. Vous êtes complexé. La colonisation. Vous êtes nombreux là. Quand on parle de Dieu, est-ce que tu es chrétien? Quand on parle de Dieu, est-ce que tu es musulman? Tu t'appelles Abdou. Tu t'appelles Abdou. Tu dis que c'est ton nom. Tu dis que ton nom c'est Christian. Mais vous êtes bête. Vous êtes bête ou quoi là? Ah, c'est bien quoi? C'est bien qui même ça? Quelqu'un m'a dit que non, il n'a que poser la question. Non! Il veut savoir ce que je fais loin à Jakarta. Comme j'ai dit l'autre jour à quelqu'un, que mon ami, il n'y a pas 10 Camerounais en Indonésie en prison. Mais ce qui est sûr, certain, même seulement les demandeurs d'asile sont derrière les prisonniers d'abord en Europe. Même seulement les demandeurs d'asile. Un demandeur d'asile, tu sais ce qui veut dire asile? Voilà. Quelqu'un qui est en asile là, quelqu'un qu'on dit un camp d'exilé là, quand tu demandes l'asile là, ça veut dire que normalement tu es un prisonnier, tu es quelqu'un qui n'a pas certains droits. Tu as les restrictions à respecter. Donc ça veut dire que tu es un prisonnier. Tu es un prisonnier, mais tu ne demandes pas celui-là. Parce qu'il est dans le pays où on vous a colonisé. Et comme tu es bête, dans ta tête, c'est que les Camerounais ne vivent pas ici là. Je vais te bloquer tout à l'heure. Voilà. Eve Nana, je vais te bloquer. Voilà. Ah, j'ai horreur des Camerounais pareil. Et il va dire qu'il me suit depuis les années. Tu me suis depuis là. Non, tu ne me suis pas. Il y a qui me dit que Mbanga Diaspora, j'ai envie de venir faire les examens ici là. Vraiment, les examens coûtent combien? Mais attendez, on te dit que le passeport camerounais pour aller à Singapour, tu n'as pas besoin de visa. Il te faut seulement le show money. On parle. La consultation coûte combien? Je suis docteur. Et tu dis que tu vis en Europe. Le cerveau, tu n'as pas. Que ça reflète directement ta vie même. Que tu es bête et que tu ne peux pas réussir dans ta vie. Mais c'est clair, ça ne ment pas. Il y a les réflexions quand quelqu'un vient à côté de moi. Mon ami, tu connais combien de personnes je reçois par jour? Je prends le temps pour causer avec toi. C'est toi qui veux que je t'aide. Mais attendez, mais facilite-moi la tâche. Donc je dois travailler. Je prépare. Je mets dans ta bouche. Il mange, tu es malade. Et dans tout ça, tu ne me payes pas. Vous êtes chiche. Après, tu viens dire, Mbanga Diaspora, je te suis depuis les années. Tu me suis depuis les années et tu me demandes combien coûte la consultation. Mais comment? Ça veut dire que tu ne me suis pas. Tu ne me suis pas. Quand on suit quelqu'un, ça veut dire qu'on le connaît. J'étais au Cameroun, les gens connaissent ma vie. Quand je suis quelqu'un, ça veut dire que il y a des questions que je lui pose. Puis, quand je me rends compte que, quand tu commences, de grâce, ne viens pas dire que tu me suis. Si tu dis que tu me suis, et il y a des questions bêtes que si tu me poses, je te bloque. Je m'arrête. C'est clair. Et il y a les noms que je remarque derrière là. Comme les nanas, les Eve Nana là. Voilà. Voilà. Les Eve Nana. Les gens, les petits moqueurs. Les complexés. Que non, je suis au Canada. Je suis en France. Pour toi, c'est que la vie s'arrête là-bas. Tu oublies qu'il y a les Camerounais là-bas qui souffrent. Il y a les Camerounais qu'on rapatrie là-bas. Ça dépend de ce que l'autre fait là-bas. Il y a les Camerounais riches au Gabon. Oui. J'ai un voisin qui vit au Gabon. Peut-être de 5 maisons. Il a beaucoup d'argent. Ça dépend de ce que chacun fait quelque part. Moi, que vous me demandez ce qu'il fait là-bas. Bande de complexés comme ça. Là. Vous êtes trop villageois, en fait. Et c'est difficile quand le changement arrive. Parce qu'on est tellement complexé, on est petit. Ouais, oui. On est petit dans le cerveau. Le complexe, ça a pris le dessus. Voilà. Voilà tout ce qu'on a au Cameroun. Voilà tout ce qu'on a au Cameroun. Regardez comment ils embellissent. Voilà tout. On a tout ça au Cameroun. Tout ça, regardez. C'est un village qu'ils ont conçu dans la forêt. Regardez, c'est un village qu'on a conçu dans la forêt. Textuellement, les mêmes plans comme on devait faire la cité Chirac.
voilà, 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 comment on devait faire la cité Chirac? La cité Chirac, voilà. Hein? Voilà, même chose qu'on devait faire la cité Chirac. La cité Chirac devait être entretenue comme ça, là. Mais hélas, ce n'est pas ça le problème. Regardez, c'est comme ça. Ouais, c'est comme ça. C'est comme ça qu'à l'époque, Bounamoussa dit était, non? Ouais, et dit que moi, comment tu vas? Voilà, c'est comme ça que Bounamoussa dit. Était à l'époque, avec les arbres, on a tout coupé. Allô? Non, 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 non. L'Asie n'est pas le nouveau Eldorado, mon frère. Moi, je dis non à ça. L'Asie n'est pas le nouvel Eldorado. Écoutez-moi bien. Laissez ça. Chacun se sent mieux quelque part. Écoutez-moi bien. Avant de venir en Asie, j'étais là où beaucoup de vous vous êtes. J'ai traversé la Libye. Quand on traverse la Libye, on sait où on va. Est-ce que vous comprenez bien? Est-ce que vous comprenez bien? Avant d'aller en Libye, avant de venir en Asie, j'étais d'abord là où vous êtes. J'ai traversé la Libye. Donc, vous pouvez imaginer la suite. Ok? Quand quelque part ne va pas avec toi, quand tu ne s'en vas pas, ça ne veut pas dire que je souffrais. Non. J'avais le minimum. Mais jusqu'à ce que je découvre un ami avec qui j'ai fait la Libye, qu'on avait rapatrié, qui par la suite m'a dit que, mais gars, aujourd'hui, j'ai vu mon cas à Singapour. C'est là où moi j'ai décidé de venir à Singapour. Singapour. Quand les gens me disent que mes parents diaspora, pourquoi tu ne dis pas que les gens partent à Singapour? Non. J'ai suivi un ami à Singapour parce que lui, il avait les moyens et moi, j'avais mon argent. Singapour, c'est le capitalisme. Tu ne peux pas dire que tu vas aller à Singapour pour aller te chercher. Tu vas te chercher comment? Tu as fait que l'école. Tu as fait que l'école. C'est ça le problème. Singapour, c'est les pays qui ont signé les conventions avec les Indiens. Tu vois là, les Indiens noirs, les Indiens travaillent là-bas, les Indiens là, de l'Inde. Ils sont ceux qui travaillent. Ils se préfèrent d'abord, parce que l'Asie du Sud-Est. La priorité d'abord, c'est eux. Donc, si tu vas là à Singapour, pour aller te chercher, je ne te conseille pas. Mais je connais des Camerounais qui viennent là-bas comme les DJ, ils font certains boulots. Mais c'est les Camerounais, la majorité, c'est les Camerounais qui ont fréquenté au Japon, en Corée. C'est les Camerounais qui viennent de l'Europe, avec la nationalité. Ils postulent souvent en ligne. Ils postulent en ligne. J'ai connu comment? J'ai connu un DJ Camerounais qui travaille en Australie. Il venait chaque temps en Singapour animer. Ils sont nombreux, même en Thaïlande. Quand je dis que la Singapour, tu vois les difficultés là, bah la vie d'abord coûte cher. L'hôtel la plus moins chère à Geylang, les faux. Quand on dit faux quartier là, attendez. Quand on dit faux quartier à Singapour, c'est le paradis. Je te dis bien que quand on dit les faux quartiers à Singapour, c'est presque le paradis ici à Jakarta. Hein. Écoute-moi bien là, hey, Singapour ne blague pas. Hein. Parce qu'un endroit comme Geylang, quand tu es à Geylang, la route est comme si on a miré. La route est comme si on a miré. Les Européens travaillent à Singapour. Je dis bien que les Européens. Dis-moi, depuis que tu travailles là, depuis que tu marches là, tu as vu un ouvrier singapourien dans un autre pays? Ils sont rares. Depuis que tu te balades là, il y a les gens que ce n'est pas facile pour voir. Il y a les Singapouriens, il y a les Japonais. Ils sont rares. Ça ne manque pas. Voilà. Ils sont rares comme les Allemands. Ils sont rares comme les Allemands. Ils sont rares comme les Brunais. Les gens du Brunei là. Ils sont rares. Il ne faut pas se mentir. Voilà. C'est comme ça qu'on parle dans la vie. Quand je te dis de ne pas aller dans le genre de pays là, c'est un pays où si tu vas arriver là, il faut que tu aies au moins 50 000 dollars en poche. Maintenant, le temps que tu as ta carte de séjour, le temps, il faut ouvrir une entreprise en fait. Il faut ouvrir une entreprise. Alors qu'avec 5 000 dollars, tu peux venir à Jakarta. Tu ouvres ton entreprise qui va te sponsoriser. Tu as tes papiers. Voilà la différence. Voilà pourquoi je te dis, ne viens pas en Asie en aventure. La vie, c'est la chance. Hein. Mais moi, je n'aime pas tenir ta main. Je n'aime pas les maux de tête. Parce que parfois dans la vie, il est plus difficile d'aider quelqu'un à réussir que soi-même. Le malheur de certaines personnes vient souvent parce qu'ils voulaient tendre la main à quelqu'un. Moi, j'ai dépassé l'âge là. Désolé. Je n'ai plus le temps que tu viennes quelque part. Je te dis que je vais t'amener là-bas. Non, je suis vieux pour faire ça. Je ne suis plus au niveau là. À l'époque, oui. Mais je n'ai plus le temps là. Tant pis pour ceux qui vont dire que Banga diaspora. Non, 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 non. Il faut qu'on ait des affinités. Il faut que je comprenne qu'on a des affinités. Que toi, tu es quelqu'un d'éveillé. Mais moi là, que je te dis que je te fais venir quelque part, je marche derrière toi comme un enfant. Non, non, je ne suis pas dedans. J'ai dépassé ça. Voilà. À un moment de la vie là, il faut se respecter. Il faut prendre ses distances. Je suis un vieux aventurier. Eh bien, 24 ans d'aventure. Comment? 24 ans de voyage. Comment il veut venir encore là? Il veut... Non, non, il faut qu'on ait les affinités. Je viens, je te prends à l'aéroport, tout et tout, voilà. Je sais que là, ça mérite qu'il périsse.
Parce qu'on connaît la vie. On connaît la vie. Beaucoup de personnes sont détruites en voulant aider les autres. Voilà. Parce que chacun marche avec ses problèmes. Parfois, tu veux aider quelqu'un, mais il a derrière ses problèmes. Avant que tu ne l'aides. Après, ça colle sur toi. On dit que, wow, voilà le malheur qui est arrivé. C'était à cause de Mbanga Diaspora. Parfois, vous me demandez certains contacts. Je refuse. Je ne veux pas les problèmes. Parce que demain, là, c'est moi que tu guettes. Ils sont nombreux là, ils ont les relations ici, mais ils n'appellent pas. Mais ils te cherchent, toi. Parce que c'est toi, parce que tu es connu. Demain matin, moins d'heures là, elle va retourner à la base. Non, c'est Mbanga Diaspora qui avait donné mon numéro là-bas. C'est Mbanga Diaspora qui m'a mis en contact avec celui-là. Ils font comme ça alors que c'est les malhonnêtes. D'abord, c'est un escroc, non? On vous a pas dit? On vous a dit non, c'est un escroc, non? Il fait même quoi à Jakarta là-bas? C'est un bandit. C'est un fait-man. Non, c'est un fait-man, non? Je connais, c'est ça le problème. Je connais. Donc nous on est préparé. Voilà. On est préparé. Et vous allez voir le genre de personnes là. C'est tous les gens qui ont fait les affaires de 2000 euros, 3000 euros, 5000 euros. Ils s'accrochent. Il va s'accrocher. Voilà. On ne vient pas en aventure en Asie, mon ami. Voilà. L'aventure, c'est une destination inconnue. L'aventure, définition aventure. L'aventure est une destination inconnue. Voilà, l'Asie est trop loin pour que toi tu viennes en aventure. Voilà, quand tu vas quelque part où tu connais déjà quelqu'un, ce n'est plus l'aventure. Non, non, tu voyages. Tu vas en visite. Ce n'est plus l'aventure. L'aventure, c'est ce qu'on a fait à l'époque. On a pris le sac au dos, traversé Niger, tout ça, passé Soudan, Libye, traversé. Voilà l'aventure. C'est une destination inconnue. Tu suis le vent. Combien de nous se sont dispersés à Kofra là-bas, à Faya Lajo? Vous traversez la frontière, vous arrivez dans la première ville. La voiture que tu as pris, ce n'est pas la même voiture que j'ai pris. On se revoit qu'à la capitale après 3 ans. Hein? Après les années, on se retrouve dans un autre pays. L'autre dans un autre pays. Donc c'est comme ça la vie. Aïe, salam alaikum. Alors, ah, c'est ça la vie. Les gars, on brûle pas les gens. Mon ami, dégage avec ça, dis donc. Tant pis, il n'y a pas les erreurs de langage. On n'est pas en aventure en Asie. On voyage pour l'Asie. C'est loin pour aller chez toi. Alors, si tu veux venir, il faut venir, non? Est-ce qu'il y a un peu? Il y a beaucoup ici qui sont arrivés, non? Ils sont sortis, non? Je t'encourage de venir. Mais avec tes moyens, ne comptez pas sur les gens. C'est ça le problème. Puisqu'on vous connaît, vous allez venir vous accrocher. Et puis demain, c'est mon nom qui est dehors. Non, je ne fais pas ça. Voilà, je fais venir les gens que je connais ici, les amis qui sont matures. Voilà, je l'invite, ils viennent. Voilà, je fais venir les amis ici. Mais toi, je ne te connais pas. Tu es un enfant, tu veux venir t'accrocher, je veux porter la malédiction sur toi. Alors, je veux porter la machin sur toi. Alors, j'ai fait venir un ici là. Jusqu'à ce qu'il il a ses papiers. Oui, chaque jour il pleure. Oui, il veut rentrer. Oui, mais comme ça là, ils sont nombreux là. Les gens ils voyagent à la magie, la sorcellerie. Hein? Tu es un petit frère, un bon célibataire. Tu arrives ici là, voilà quelqu'un qui te voilà quelqu'un qui te yamo. Qui te yamo. Il te donne le travail, tout et tout. Ta vie commence à changer. Tu te retrouves dans un pays comme ça là, que même les Indonésiens touchent les $500. Toi, tu te retrouves à $1,500, on te donne la maison. Tout. Tu peux même te marier. On est prêt à tout te donner. Un matin, non, je vais rentrer. Après maintenant, tu commences à pleurer. Petit salopard. Vous les petits là, marchez avec vous. Marchez les gens matures. Voilà. Tu te bats, tu arrives. Ok. Je peux te voir. Petit frère, c'est comment? On dialogue. Mais pas que moi. Je fais comme j'ai fait à l'époque là. Dans certains pays là. Je porte quelqu'un au Cameroun. Je pars, je fais son visa. La sueur coule sur moi. J'arrive et tu commences à avoir les mauvais rêves. Parce que c'est les petits sorciers. Vous voyagez avec la sorcellerie dans le ventre. Vous êtes malade. Je fais ça. Vous êtes nombreux là. Vous partez afficher vos soeurs. Vos soeurs se battent. Vous font voyager. Hein? Le jour qu'il y a un petit problème, vous affichez. Comme tu vois là, elle n'a pas d'enfant. L'enfant là n'est pas ton enfant. Ils ont seulement adopté son mari. Hein? Ah bon? Vous venez verser tout dehors. Les bandes d'inconscients. Vous oubliez que le front, c'est le front. On se bat seulement, on jongle pour vivre. Même celui qui toi qui déménages là, tu ne voles pas les choses qu'on ne t'a pas demandé de porter. C'est le jonglage. Dans la vie, on jongle, petit. Voilà. Dans la vie, on jongle. Si ton frère ne jongle pas là où il est, là-bas,
S'il compte seulement sur son salaire, il n'aura jamais les vacances. Allô, man. Mais oui, non. Petit frère, si j'étais un mafieux, ça ne m'affiche pas. Les mafieux ne s'affichent pas. C'est comme vous ne pouvez jamais comprendre. Vous ne comprenez pas la vie, en fait. Vous avez trop à apprendre. Tu as vu un mafieux qui s'affiche. Hein, petit frère? Tu as vu un mafieux qui s'affiche. Dans un pays avec la sécurité partout, petit. Ça veut dire que tu es un bout de man. Ça veut dire que tu ne comprends pas, Mbanga. Au lieu de me suivre, regardez, mais qu'est-ce que le grand si? Comment? Ben oui. Un pays avec la sécurité partout. Hein? Tous mes partenaires connaissent ma page. Tous les gens avec qui je fais les affaires connaissent mes pages. Hein, petit frère? Non, petit frère, c'est que on a compris la vie, petit frère. La vie, le vrai succès est basé sur la confiance. Ok? Le vrai succès est basé sur la confiance. Et si moi je te dis que ces dernières années-ci là, je vis des réseaux sociaux, conformez-vous aux réseaux sociaux. Venez avec un style de personnes honnêtes, des personnes serviables. Donnez le meilleur de vous. Vous aurez une famille. Aujourd'hui, j'ai une famille via les réseaux sociaux. J'ai une famille via les réseaux sociaux, petit frère. Tu me dis, grand frère, mais j'achète, tu vends tes choses comment? Mais je vends dans les réseaux sociaux. Je ne suis pas là pour tout te montrer. Je vis de la confiance des gens. Je fais dans le multi-service. Je rends service. Et j'ai mes petits centimes. Si tu as beaucoup comme ça, que tu rends service à 100 personnes par mois, si c'est seulement 10 000, ça te fait combien? Ça te fait 1 million de francs CFA. Donc imagine, ça ne peut pas seulement être 10 000. Donc tu vois un peu, la meilleure richesse n'est pas parce qu'on a beaucoup d'argent. Non, c'est parce qu'on a rendu beaucoup de personnes riches. Parce qu'on a rendu les services à plusieurs personnes. C'est clair. Hein? Voilà. C'est ça la vie. Donc tu vois un peu, donc voilà. C'est que vous ne pouvez pas comprendre. Vous êtes dans l'émotion. On connaît des gens qui font les sales choses sur les réseaux sociaux. On ne peut pas faire les sales choses, on s'affiche petit. Non. Ça fait presque 10 ans que je suis acteur des réseaux sociaux. Je suis un activiste. Donc ça veut dire que quoi? Si je suis quelqu'un de sale, c'est que l'équipe adverse a déjà pris ma chose et allait déposer sur la toile. Que celui-là, il parle comme ça, il critique les gens. Alors que... Quand on m'a arrêté à la semi, la première des choses qu'on a fait d'abord, c'était de prendre mon téléphone. Quelqu'un dit que non, tu vas rentrer à Singapour. On a l'information. Non, tu as saisi cela. Oh, on vous a payé 300 millions de tsabilo. Mon téléphone a fait presque une semaine à la semaine. Ils n'ont rien vu dedans. Ils n'ont rien vu. Parfois, quand on t'arrête là, on cherche un motif. On cherche un motif qui va vraiment caler sur toi. Mais ils n'ont rien vu. Ils ont fui la maison. Non, tu as le passeport singapourien. On doit trouver ça. On bouscule, on casse par-ci, par-là. On va dans la chambre. On bouscule ma femme. Ils n'ont rien vu. Donc, vos informations que vous avez sur les gens-là, allez chercher ça ailleurs. Est-ce que vous comprenez? Je rends service aux gens. On me paye. Ok? Je rends service aux gens. On me paye. Le multiservice. C'est quoi? J'ai mon entreprise, Women Multiservice. Il y a ça au Cameroun, il y a ça ici. Ok, je rends service, tu déposes l'argent. Tu vois un peu, c'est payant. Les gens m'appellent, ils me demandent les conseils. Je dis, donne-moi 100 dollars, donne-moi 200 dollars. Imagine, je fais ça à 30 personnes par mois. Ça me fait 3 000 dollars. Les 3 000 dollars, là, je prends ça. Je transforme en marchandises. J'envoie partout, Italie, France, États-Unis. Je me retrouve avec 9 000 dollars. Je suis un homme tranquille dans ma vie. Hein? Maintenant, je fais à ce que l'argent tourne dans mon compte ici là. Quand l'argent tourne dans mon compte, je suis capable d'aller demander le crédit. Comme j'ai 1 000 dehors, ils n'ont pas encore confiance en moi. Je peux demander le crédit de 50 000 dollars, ils vont me donner. Quand je commence à marcher, ça donne bien le message. Tant, Mr. Woman, can you come to the bank, please? Ok, tu avais demandé 100 000 dollars, non? Oui. Ok, est-ce qu'on peut te donner ça? Parce que la manière que tu es en train de rembourser l'argent là, on se rend compte que, parce que ici là, c'est dans la logique. Nous ne sommes pas dans votre pays là de merde là. Le pays de merde, que quelles que soient tes qualités, quelle que soit ta volonté, on ne t'accompagne pas. Ici là, tu n'as même pas besoin de l'entreprise. Seulement tes fiches d'envoi. Comment seulement tu reçois l'argent Western Union. Avec ça, les gars sont capables de te donner le crédit. Quand tu es dans leur banque, ils te donnent le crédit. Ils disent bien que seulement les fiches d'envoi, DHL, tout ça. Le fait qu'ils te voient seulement tourner là. Et que tu as un Indonésien à côté de toi. Un Indonésien qui peut prendre la garantie. Il te donne le crédit en banque.
Ils n'ont même pas besoin que tu aies le... Non, ils veulent voir tes transactions d'argent. Ils se rendent compte que mais chaque temps, le type s'il a chaque semaine, il y a 1000 dollars, il y a 2000 dollars, il y a 5000 dollars qui tournent dans son compte, tout et tout. Directement, voilà la confiance, c'est ça l'Asie. Ils sont avancés ici là. La banque a l'argent, parce que c'est l'argent des gens. C'est pour prêter aux gens. C'est pour aider les gens. Et quand on voit quelqu'un qui a la volonté, on l'accompagne. Ce n'est pas dans votre pays là-bas que tu souffles, même tu as même le titre de fonction, on ne te donne pas. Ici là, tu prends ta voiture que tu as pris à crédit. Tu peux prêter le crédit avec une autre banque, on te donne. Hey, arrêtez ça, dis-donc. C'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y a ça au Cameroun? Et dans un monde normal, les hommes d'affaires qui prêtent l'argent aux individus, c'est un problème. C'est les risques et périls. Ça, tu dois tinga ici. Ok, papa. Voilà un Indonésien lui-même qui ne connaît pas son pays. Lui-même, il me demande à moi. Moi-même qui est un étranger ici. Donc, c'est pour dire que quoi, mes chers frères et sœurs? C'est pour dire que quoi? Ce n'est pas le milieu automatiquement qui change ta vie. Non. Le milieu que tu vis, c'est un atout. Être fils d'un milliardaire, millionnaire, c'est un atout. C'est un atout. Mais ça ne garantit pas ta réussite. C'est ce que tu fais. La confiance que les gens ont mis en toi qui va garantir ton avenir. Il ne sert à rien de courir, petit frère. Il ne sert à rien de courir. Tu peux courir, demain matin, tu vends tout ce que tu as. Pourquoi? Parce que les gens ont perdu ta confiance. Mais quand les gens ont confiance en toi, on va te donner. C'est possible, bien sûr. On va te donner. La meilleure richesse, c'est les gens qui nous entourent. C'est la confiance que les gens ont mis en nous. Pourquoi quand les gens ont confiance en toi, monsieur, automatiquement, que quand tu donnes son argent, que tourne, et tu me donnes après, on va voir ça après. Il croit en toi. Il croit en toi. Et un pays ne peut que se développer quand les banques donnent les crédits au débrouillard. Au débrouillard. Mais nous sommes dans un pays où la banque ne donne que le crédit aux gros porteurs, aux multinationales, aux hommes qui ont déjà les milliards. Et vous allez voir que par la suite, ce n'est même pas les milliardaires. Pourquoi? Parce qu'au Cameroun, c'est un gang de mafieux. Les gars partent faire titre, même les marécages, ils vont prêter l'argent à la banque. Tout, c'est la corruption. Pour qu'un fondé donne son accord, pour qu'on te donne le crédit, il faut toi-même le corrompre. Quelqu'un va on va te donner le crédit de 100 millions. Mais dans les 100 millions, toi, tu vas lui donner 20 millions. C'est toi qui vas aller souffrir pour rembourser l'argent après. Voilà déjà comme ça 20 millions. Ici là, quand on veut te donner le crédit, monsieur. Monsieur, on te dit que dans 2 semaines, on te donne. On te donne. On a viré dans ton compte directement. On a viré dans ton compte 100 000 dollars. Et mon ami, ni vu ni connu. Pas de pression pour rembourser. Pas de pression. C'est ça la vie. Donc voilà. Voici une maison que j'aime bien. Hein. Mais petit frère, tu ne sais pas quand même toi-même, tu es mon mougou. Toi qui me suis là chaque temps, tu commentes là. Tu es mon mougou, non, petit. Mais on t'a pas dit que la vie, c'est la stratégie, petit. Toi, tu me suis, tu fais les commentaires. Est-ce que tu sais qu'une vidéo qui a autant d'audience donne beaucoup d'argent à celui-là qui a la page là? Mais c'est vrai, il faut qu'on vous dise la vérité. La vie, c'est la stratégie. Tu me suis, tu écoutes ce que je fais. Le temps que tu mets sur ma page à me suivre là, ça pointe. Ça pointe. Tu commentes, ça pointe. Tout ça, ça se joue. Hein. Pendant que tu dis que je cherche le mougou, tu es dans mon premier mougou. Tu vois un peu? Je te garde là, tu me suis, tu m'écoutes. Tu fais autant de commentaires, tu me dénigres, mais tu oublies que ça me donne plus d'audience. Et je gagne. Voilà une belle maison. Hein. Oh, j'ai aimé cette maison. Fait en planche. La maison ici là. C'est en bois. 500 dollars jour. 500 dollars jour. Merci. Non, oui, les gens ne connaissent pas seulement. La vie, c'est la stratégie, petit frère.
Ah oui, c'est la stratégie. Ah, how are you? Are you okay? Voilà. Et il y a les gars qui rôdent partout là, elles rôdent partout là, elles rôdent partout. Voilà. Bon, il y a aussi beaucoup d'Arabes que j'ai vu ici. Hein. Je vois beaucoup d'Arabes, les Saoudiens, ils ont acheté les maisons ici là. Ils ont acheté des maisons ici. Voilà. Hey, petit frère, tu ne comprends pas ça. Quelqu'un me dit que va chercher le travail. Petit frère, comment tu peux dire à quelqu'un qui fait la vidéo et que par mois il gagne 5000 dollars, tu dis d'aller chercher le travail? Mais c'est compliqué, hein? C'est compliqué quand même, hein? Mais l'Africain est tellement bête. Au lieu de s'arrimer à la donne, lui, ça le dépasse. C'est parce que tu es villageois. Arrime-toi à la nouvelle technologie. Voilà, le Sénégal, on a coupé l'Internet partout. On coupe l'Internet pour que ça empêche les gens de se réunir. Hein? Pour pouvoir bouter hors d'état de nuit Macky Sall. Tu dis que les gens bavent de quoi? Tu vois, les gens sont connectés, 350 personnes le matin. Hein? Quelqu'un fait la vidéo, 1000 personnes sont connectées. Tu lui demandes d'aller chercher le travail. À la fin du mois, on lui transfère l'argent dans son compte. 5000 dollars, 2000 dollars. Il y a ceux qui touchent 10000 dollars, 20000 dollars le mois. Mais tu es là comme tu es bête. Tu viens dire aux gens d'aller chercher le travail. Alors que tu es là, tu travailles, tu as 500 dollars le mois. Souvent, tu n'as même pas rien. Parfois, tu n'as même rien. Tu dis à quelqu'un d'aller chercher le travail. Alors que te voilà. Il te bloque, tu le suis. Ton argent, ça compte, son argent compte. Comme tu es là comme ça, là, petit idiot. Donc, je ne suis pas ici pour toi. Et quand on déteste quelqu'un, on ne le suit pas. Moi, je ne comprends pas. Vous ne verrez pas le commentaire de Manga Diaspora sur les pages avec qui je ne partage pas l'idéologie. Tu me clashes même là. Il y a un petit là de la basse. Il y a un petit de... qui était dans la basse à l'époque. C'est un dialogue d'ici. Thank you. Yeah. Il y a un petit là qui était dans la basse. L'autre jour, j'ai vu une vidéo là, il parle de moi. Mon ami, je ne te gère pas. Elles sont dans le même level. Hé, hey, mon frère. On peut répondre à tout le monde, mais je ne réponds pas à tout le monde. Je pense d'abord à la vraie vie. Dans la vraie vie, est-ce que toi et moi, on peut discuter quoi? Oh, mon premier fils a 22 ans. Il veut parler quoi avec toi? Il veut causer quoi avec toi? J'ai les enfants qui ont 22 ans, 20 ans, 18 ans. Toi, tu veux causer quoi? Et je suis trop jeune. J'ai été précoce partout dans ma vie. Hein? Les autres sont là champions. Toi, tu veux causer quoi avec toi? Hein? Tu es là, tu te débrouilles encore. Tu es là, tu n'as même pas les papiers. Là, tu te déranges. Donc, tu es en difficulté partout. Difficulté avec toi-même. Difficulté. Maintenant, tu ne connais même plus là où tu es. Tu es quitté d'un côté, tu es parti ailleurs. Maintenant, tu fais les vidéos, tu appelles mon nom. Je ne peux pas te répondre. Je te réponds comment? Oh, Manga Diaspora. Mais il ne te répond pas. Comment? Oh. Je ne te réponds pas. Dans la vraie vie, je suis un homme normal. Je suis une autorité au Cameroun. Je suis une autorité. Je suis une autorité. Voilà. Le sous-préfet de mon quartier me connaît. Donc à Douala, là où je vis, là, le sous-préfet me connaît. Il me connaît. Il connaît que M. Wamen habite là-bas. Ah, toi, tu es qui? En Banga, je suis une élite. Donc, comme le 11 février, là. Le 11 février, là, j'ai dans mon billet. J'ai mon billet d'invitation, le 11 février. Le 20 mai, j'ai mon billet d'invitation. Je suis assis sur les gradins. Toi, tu es qui? On te connaît où? Malgré mes prises de position, je suis une autorité. Toi, tu es qui? Youbi où? Donc, dans la vraie vie au Cameroun, je suis une autorité. Donc, le 11 février, là, mon billet d'invitation est là. Maintenant, je vais envoyer mon représentant, comme je ne suis pas au Cameroun, que bon, va me représenter. Parce que je suis une élite. Donc, je participe. Et tu comprends? Donc, toi, je veux causer quoi avec toi? Dans la vraie vie, je veux causer quoi avec toi? Et maintenant, alors, après le défilé, nous sommes invités à la résidence du sous-préfet. J'ai ma place, je m'assois en cause. Tu es qui? Le collégien vient, le cocon vient, on parle. Tu es qui même? Dans la vraie vie, je suis une autorité, monsieur. Tu es malade. Je suis une élite. Tu me parles. Je veux causer quoi avec toi? Tu t'inquiètes que tu sois. Ah, je veux causer quoi avec toi? Vraiment, je veux causer quoi avec toi? Tu parles. Monsieur Wamen, je m'appelle monsieur Wamen Kwatura au Bénin. Je suis un monsieur. Et ça fait longtemps. Vous égarez quoi? Est-ce qu'il peut me répondre? Il te répond par rapport à quoi? On est le même level. On est le même level, dit man. Je suis un chef d'entreprise depuis des années. Ça fait 24 ans que j'ai conçu l'auberge en Banga. La délivrance. Face mission catholique. Je veux causer quoi? Même si je suis pauvre, il y a ma dignité. Voilà. Même si je suis pauvre, j'ai ma dignité. La dignité, ni chamoni. On dit que en baranté. Et la malchance que c'est que moi, je suis d'abord baranté. Je suis une dé. Je me rabaisse.
et que Dieu a fait, Dieu m'a donné un peu. Mais attendez, tu es malade? Il veut venir répondre à n'importe qui. Non, il faut le répondre, grand frère. Mais attendez, qu'est-ce que j'ai à foutre, petit? Envoie puis c'est une vidéo, petit. Nous, on est au courant de tout. Quand tu es tag, tu es au courant. Mais alors, vous n'êtes pas du même level. Vous n'avez pas le même, la même ligne éditoriale. Quelqu'un peut être petit, il me parle, je réponds. Parce que je sais que sa moralité, c'est la richesse. La richesse n'est pas tout parce que on est riche matériellement et financièrement, non. La richesse, c'est ce que quelqu'un a dans sa tête. Je suis dans cette thématique-là. Je ne crois pas aux gens parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Est-ce que tu comprends? Voilà. Je ne crois pas aux gens parce qu'ils ont beaucoup d'argent. Parce que les prisons du Cameroun sont pleines de milliardaires. Des ministres milliardaires. Ils sont ministres. Des hautes personnalités, des autorités du Cameroun. Ils sont milliardaires, mais ils sont en prison. Pourquoi? Parce qu'ils ont les moralités douteuses. Donc tu comprends qu'ils sont pauvres. Le vrai riche, c'est le Benskineur là, qui travaille là, c'est 100 francs, matin, midi, soir. Il peut nourrir sa famille, il peut boire une bière. Il a l'aise. Voilà, les gens, ils sont milliardaires, mais ils sont en prison. Les enfants sont les bas-sous-préfets, mais ils sont, le père est en prison. Tu peux parler fort. Quand les gens parlent de leurs parents, qui sont pauvres au village, ils m'avaient donné les médicaments, toi, tu peux voir ton père qui est en prison. Et toi, tu dis que tu es riche comment? Et tu veux laisser la place à celui-là? Quelqu'un qui est quelque part parce que son père a fait le faux pour qu'il soit là-bas? Tu es malade, petit. Tu es du Christ, petit. Petit frère, la mafia, tout ça, on a fait dans la vie. Mais avec le temps, on a compris que non. La meilleure forme de richesse, c'est la dignité. Et la dignité n'est pas la saleté. Le bon ne se mélange pas au mal. La vérité ne se mélange pas au mensonge. C'est pourquoi vous avez vu même dans ma propre vie, il y a des gens avec qui je prends mes reculs. Parce qu'ils ne sont pas de bonne moralité. Tu peux me voir avec quelqu'un aujourd'hui. Demain, tu te rends compte qu'un Banga diaspora ne le fréquente plus. Je prends mes distances. Moi, j'ai trop de qualités pour qu'un ami me fuit. Même la femme. Je suis trop bon. Je suis un homme hyper... Je suis un homme qui a trop de qualités. Si je commence à danser, tu vas dire que hey, c'est le gars là-bas. Si je dis que je veux bien parler, tu vas dire que hey, le gars, s'il n'a même pas fréquenté, il parle comme ça là. Comment il est pertinent comme ça là? Si je dis que je veux m'habiller, si je dis que je veux faire le sport, tu vas voir l'homme devant toi. Tu vas dire que hey, le gars, c'est comme ça. J'ai trop de qualités pour que quelqu'un me fuit. Je suis trop bon. Je suis trop bon. Donc, c'est pourquoi tu peux me voir avec un ami, après, il prend mes distances. Il ne te dérange jamais. C'est que je me rends compte que ton comportement risque frelater mes habitudes. Ça risque de se mélanger. On risque de nous confondre. Qu'est-ce que je fais? Parce que j'ai quelque chose qui me coûte plus cher. Mes enfants. Ce que je n'ai pas pu avoir dans ma vie, mes enfants l'auront. Et pour cela, j'ai le droit et le devoir de bien me comporter. Est-ce que tu ne comprends pas ça? Je vois trop loin. Je suis un leader. Je ne suis pas un riche. Je suis un leader. Un leader, celui-là qui voit les choses avant les autres. Et il anticipe. Il anticipe. Nous tous on fait la bêtise. Hein? Nous tous on fait la bêtise. Mais je me rassure que ceci-là ne doit pas toucher à la dignité de ma famille. C'est clair. Qu'est-ce que j'ai à foutre? Comme je dis, j'aime la polygamie. Voilà, là-bas, c'est d'accord. La polygamie, c'est une bonne chose. Mais c'est pour les responsables. Il faut assumer. Là, toujours embrouiller les gens. Hi. Salam alaikum. Masha'Allah. Mais voilà, tu dis bien 2000, non? Ça fait quel âge alors? Quand tu dis 2000, 2000 aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait combien d'années? L'année commence en janvier. Tu vois comment tu es bête? Nous sommes déjà en février. Tu vois, tu es bête. Voilà les gens comme vous, je vais te bloquer tout à l'heure parce que j'aime quand je cause, les gens m'écoutent. Comme tu es bête, tu ne veux pas m'écouter. Voilà. Donc voilà mes chers frères et sœurs. Donc l'homme, c'est sa dignité. Donc arrêtez ça. Devenu quoi que vous allez vouloir impressionner Mbanga diaspora avec l'argent que tel a... Moi, ma vie n'est pas ça. Je suis au-dessus de ça. Je suis au-dessus de ça. Voilà. Je vis ma petite vie tranquillement. Je suis sûr que ce que je n'ai pas pu avoir, mes enfants auront. Le père de Kylian Mbappé était quoi hier? Les parents de Neymar étaient quoi hier? La mère de Francine Ngannou était quoi hier?
Les parents de Samuel Eto'o étaient quoi hier? Hein? Les Simo, son père était quoi hier? Le grand là qui est colonel là, le chef de la base américaine, la plus grande base américaine des États-Unis en Allemagne. Il était quoi hier? C'est l'enfant d'un pauvre, non? Le grand, le Camerounais là, il était quoi hier? Il y a beaucoup là qui étaient les enfants de rien hier. Même pauvre, il était quoi hier? C'était l'enfant de qui? Ses parents n'étaient rien. Aujourd'hui, il est devenu roi du Cameroun. Maurice Kamto lui-même, son père était quoi hier? Tous ces gens-là. Donc c'est pour dire que dans la vie là, au lieu de vouloir forcer la route, vouloir gagner tous les combats toi-même, forge tes enfants à continuer le combat. C'est clair. Il faut être égoïste, idiot, mal élevé, mal intentionné. Pourquoi que tu vas gagner tous tes combats dans la vie? Non, il y a les combats que tu dois commencer. Les enfants vont venir finir. Et c'est ça qui pousse les jeunes aujourd'hui à mourir vite. À aller mettre la main là, il ne faut pas. Je ne suis pas dedans. Voilà. Je connais des parents qui ont vécu pour 100 ans, 90 ans, plus même. Pourquoi? Parce que le gars a commencé sa maison, il a tollé. Les enfants ont grandi dedans. Mais c'est dans les maisons que tu comprends que le professeur de l'université, commissaire, procureur, avocat, ils sont sortis. Ils sont sortis. Moi, j'ai un exemple en Banga, un père là. Il était enseignant. Dans cette maison-là, tu trouves tout. Tu trouves les issues, oh, les avocats, oh, les commissaires. Oh. Ce n'est pas le genre où on dit qu'il n'avait pas de relation. Il était enseignant. Ce monsieur-là, ses enfants ont vécu dans la maison en Carabot. Pendant ce temps, il se construisait une maison quelque part en dur qui n'a pas fini. Aujourd'hui, ses enfants sont bien placés. Donc voilà un père que quand je vois sa vie, je dis que ma vie, si ma vie peut être comme le père ici-là, j'ai toujours dit que la maison-là, c'est la seule maison en Banga qui a tout dedans. Le père-là, il a au moins 9 enfants. Tous les 9 sont bien placés. Pour moi, c'est un exemple. Voilà un exemple. Et il a vécu pour longtemps. Pas de mot de tête dans sa vie. Pas le mot de tête. Pas le genre de vie que j'ai envie d'avoir dans ma vie. Il ne sert à rien que je garde les grosses voitures. Demain matin, c'est là. Les enfants sont tous des feignants qui souhaitent ma mort. Qui souhaitent ma mort. Qui souhaitent ma mort. Il ne sert à rien d'avoir tous les biens de la terre. Parce qu'à force de chercher les biens de la terre, l'éducation des enfants te quitte. L'éducation des enfants te fuit. Surtout quand tu veux forcer. Il y a des gens qui cherchent et ils gagnent facilement. Mais il y a ceux-là qui cherchent avec toutes les difficultés du monde. Il faut tout abandonner parce qu'on cherchait l'argent. Mon frère, faites attention. Quand tu vois un gars comme Neymar, tu sens que son père et sa mère étaient à côté de lui. Mais oui, quand tu vois un gars comme Kylian Mbappé, son père a sué. Aujourd'hui, il mange. Quand tu vois un gars comme le père de Choupo-Moting, mais oui, mais c'est comme ça. C'est les gars qui gèrent le compte du fils. Mais oui, c'est clair, tu as fait comment? C'est lui le manager. C'est lui qui est tout. Il est là. Alors donc, vous voulez quoi? Donc, un moment de la vie, là, ça ne sert à rien de s'épuiser. Toi qui veux t'épuiser, là, mon frère. Voilà. Tu veux t'épuiser pour rien. Comment les enfants vont finir? C'est clair. Les enfants vont finir. Voilà. Tu te concentres sur eux, là. Plus tôt, tu vas manger. Tu négliges, plus tard, tu vas regretter. Parce qu'ils vont vendre ça. Ils vont même souhaiter ta mort pendant que tu es vivant. C'est-à-dire qu'on va prescrire le remède, que quelqu'un perd le temps pour que tu meurs vite. Oh, tu vas voir les enfants que quand on dit que le père est malade, tout le monde est là debout. Mais tout le monde est chômeur. Comment on annonce que le père est malade, tout le monde accourt à la maison seulement. Et vous venez comme ça là, vous ne demandez pas que où est l'ordonnance, papa, on achète les remèdes. Toujours c'est le père qui va acheter. Même dans la maladie, c'est lui qui va acheter. Tu ne vois pas qu'eux, ils souhaitent ta mort, mon ami. Les enfants là souhaitent ta mort. Il y a des signes qui ne trompent pas. Un père est malade. Vous êtes tous les chômeurs. Vous accourez à la maison. Vous ne demandez même pas l'ordonnance. Papa, ça va, papa. Mais attendez, un vrai enfant est celui-là qui passe pas à la pharmacie et qui demande à nos jours d'aujourd'hui, avec le téléphone Android, papa, envoie-moi l'ordonnance. Le docteur a dit quoi? Ou bien tu appelles un ami docteur. Mais gars, papa se porte mal. Est-ce que tu peux aller le consulter à la maison? C'est combien? C'est comme ça. Voilà un vrai enfant. Et tu vas voir, tu as tous les biens de la terre. Quand tu es malade, tout le monde accourt à la maison. Tout le monde vient à l'hôpital. Personne ne cherche le médecin qui est de garde pour dire que, mais qu'est-ce que papa a? Parce que personne ne peut assumer une facture. Tu as les enfants là-bas. Attendez, tu as les enfants. Voilà les gens qui souhaitent ta mort. Mon ami, le genre d'enfant, il faudra chercher quelqu'un qui n'est pas de la famille qui va te garder. Parce que sinon, si l'un d'eux reste à côté de toi, c'est eux-là qui vont t'enlever la perfusion dans la nuit. Non, 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 il faut faire attention.
Vous le genre d'enfant là. merci, merci de partager, voilà. Passez une bonne journée, on est ensemble. Je suis venu acheter le café là. Je suis venu acheter le café pour remonter le corps. Donc je suis dans la ville de Puntiac, voilà. Je suis venu acheter le café pour remonter le corps, la libido. Pour les gens qui ne se lèvent pas là. Je suis venu, c'est ici là qu'on fabrique ça, à Puntiac. Voilà. Passez une bonne journée. God bless.